Ce qui a un regain de popularité, si on peut dire, c'est la recherche d'une électricité pour le bus. Et on voit que les principales autorités organisatrices de mobilité choisissent le bus à batterie, ou le bus hybride d'abord, puis à batterie. Le trolleybus n'est pas une solution qui est envisagée massivement en France. Historiquement, Limoges a un réseau de trolleybus depuis 1943, donc ça fait plus de 80 ans qu'on exploite un trolleybus. Et aujourd'hui, la ligne aérienne est vraiment implantée en cœur de ville et acceptée par tous.